Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Last Train Home Legend Tales. Et on va se lancer pour la dernière mission du DLC, l'histoire du Blocus, qui est peut-être la seule vraie histoire à laquelle on assistera. Enfin, raconter la vraie histoire qu'ils ont vécue. Est-ce qu'on a les mecs? Non, on n'a pas. C'est dommage, je m'attendais presque à ce qu'on ait les trois qui étaient dans le wagon là. Mais du coup, qu'est-ce que ça dit? Le chemin de fer était étrange là-bas, presque circulaire. Ça nous donnait le tournis. Les rouges ont la bonté de nous ralentir avec une embuscade, mais ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Alors, obtenir de la vodka pour les habitants, empêcher les rouges de faire sauter le tunnel, et parler aux habitants. Ok. Et du coup, on va avoir un fusil level 4. J'ai un petit lag. Non, ça a l'air d'aller. Un secouriste level 4. Et équipé de rang 3, ok, pourquoi pas. Et un grenadier level 3 et un fusilier level 3 qui est myope en plus. Très bien. Et ben en avant. Voyons voir à quoi ça ressemble. Il va y avoir un château, le train blindé et des explosions. Très bien. Tehdy jsme byli už tak blízko Vladivostoku, že jsem úplně cítil přímořský vzduch. Byl jsem v jednom ze zadních vozů vlaku a dohadoval se o nejlepším receptu na guláš. Pak vám ho povím. Když v tom vlak najednou prudce zpomalil a zastavil. Než jsme se vyplahočili ven, rudí už spacifikovali naše bratry a sestry vepředu a šli naším směrem. Hlavy se nám motaly, bylo jich víc než nás a po kapsách jsme měli jen pár nábojů, takže čelit jim přímo nebyl dobrý nápad. Bylo lepší se stáhnout, sehnat někde munici a zkusit najít někoho z okolí, kdo by nám pomohl s osvobozením vlaku. Už idem. Netušili jsme, co nás čeká. Už idem. Ano, pane. Ok, on va passer ici du coup, très bien. Le truc qui commence mal, quoi. Donc ils avaient des chars sur leur train, quoi. C'était mieux équipé que nous, hein. Nepřítel. Bordel des loups. Vaše rozkazy. Spatřili jsme nějaké poloožralé rudoarmějce, jak něco šmrdlají s výbušninami poblíž tunelu, kterým jsme potřebovali projet. Neuvěřitelné. Hey. Ano. Zaujímám pozíciu. Alors là, on a les mecs qui sont terminés leur ronde, très bien. Dans le terrain avec de la neige là. Empêcher les rouges de faire sauter le tunnel. Alors fort bien, mais où on traverse? Ou alors on vient se mettre ici, on les avoine, ça me paraît risqué. Non, il y a là-bas le truc explosif, on pourra pas. Ah, mais on peut peut-être traverser là, oui, on peut traverser là. Rozumiem. Ok, c'est parti, on court. Presuvam sa. Ici. Donc les barres, un mec tout seul, de toute façon, rozumiem. Le premier objectif c'est de traverser cette foutue zone. Lui surveille là-bas, là il se surveille là-bas, ça surveille là-bas, lui il regarde là-bas, ok, donc on a moyen d'arriver comme des gros sacs, deux mitraillettes, tout va, et ça va passer. Alors il y a juste lui là, qui surveille cette zone. Ouais, il se faut filer par là-bas. V tom jsme uviděli zajatou Liptákovou, Horňáka a zbytek posádky lokomotivy, jak je vedou rudí. Záchrana naší posádky byla hnedle přednější. Pozděs. Alors, il faut qu'on les chope avant qu'ils... J'avoue, s'ils font sauter le tunnel, il y a leurs propres troupes dessus et tout, ça n'a aucun sens. Ok, on va aller les poignarder tous rapidement, eux. Ok, il a fait demi-tour. C'est parti. Urobím to rychlo.
Poslouchám. Rozumím. Počúvam. Áno, hezky, opatrne. Déjà, on s'occupe de lui. Áno. Et il faut qu'on sauve l'équipage de la locomotive. Alors on a le choix, on peut soit monter là et essayer de les poursuivre, mais... On a vu qu'ici c'était ni de mitrailleuse et compagnie. Soit on trace par là-bas. On sait qu'il y a un chien, de la vodka. Ok, on va tracer par là-bas. Podľa rozkazu. Poslouchám, pane. On s'occupe de lui. Podľa rozkazu. Hop. Pripravený. On sait qu'il n'y a personne là. Podľa rozkazu. Le chien, il a quand même une zone de détection relativement petite. Ah, il y a du renfort. Ok. Presúvam sa. Là, on empêche de faire sauter le tunnel. Sedím tu s vámi. Takže ľudí očividně v detonaci tunelu neuspěli. Ils font quoi? Ils continuent d'avancer eux? Non, ils sont là. Ano. En mode glandouille. Presúvam sa. Alors, le chien comme d'hab, c'est problématique de le choper parce que ano. Il a une belle détection, donc on va se placer là. Ano. Toi, tu vas te placer ici. Nebude to čekat. C'est parti, c'est parti. Počúvam. Ah, bordel. Do posledného dýchu. On va retirer et l'autre va nous entendre là-haut. Ils vont nous entendre à tous les coups. Měním pozici. Poslouchám, pane. Jdu do krytu. Prokliatie. Vaše rozkazy? Сюда! Сюда! Чекам! Hledám kryt. Došla mi munícia! Ano! Na, chytej! Munici! Hned! Munition, vous êtes sérieux? Ano! Ah ouais, la vache! Poslouchám! Hurá! Ty, stoj! Postarám se o to, pane. Ah oui. Rozkazy? Ça déconne pas, quoi. Jsem připravena. Merde, bah faut qu'on cherche ça. Vas-y. Passe par là. Ouais, passe par là. Počúvam. Vas-y. Nous, il faut qu'on passe. Nepřítel. Il y a des ennemis. Il y a un ennemi, il est où? Il est là, on s'en fout. Il faut qu'on traverse là et qu'on les intercepte ici. Ouch, idem. Ok, c'est parti. Ano, pane. Attends. Poslouchám. Ok, toi tu vas revenir ici. Ano, pane. Som tu. Pripravený. Podľa rozkazu. Vidím nepriateľa. Rozumiem. Alors, il faut qu'on se foute quelque part en protection. On n'a pas beaucoup d'endroits, donc on va reculer ici, maintenant qu'ils sont arrêtés. Poslouchám. Est-ce que je le fais courir? C'est risqué. Non, ça devrait aller. Vas-y, viens. Připraven. Et toi, debout, il faut se couvrir. Ça serait bien de tuer sur celui-là plutôt. C'est celui qui nous tourne, qui nous flanque le plus après lui. Non, mettez-vous en couverture. Putain, lui il est en train de prendre des risques là. Vaše rozkazy, pane. Posádku jsme zachránili, ale rudí mezi tím odpojili náš dělostřelecký vagón a odvezli si ho. Taková drzost. Rozumím. Pilot de séjour. Počúvam. Ok, bon, au moins, on a pas de munitions. Parfait. J'ai cru voir qu'il y avait un fond de loot ici. On va aller là-bas. Ano? Vous allez ici, en mode caché. Voilà. Počúvam. Et on en reparle après. Poslouchám. Va looter la vodka.
Alors, ils ont récupéré le wagon d'artillerie là-bas, donc... Il reste deux balles. Oh, c'est tendu, hein. En plus, on n'a pas de... Ouais, on n'a pas de... Lui, il nous tourne le dos aussi, pour le moment du moins. Pas durer longtemps. Bon. Oh bah excellent, il s'est même pas retourné pour nous voir. On va le chercher. Flank, on va chercher les munitions. Eau de secours, vodka, ok. C'est qu'on voit là. Ok, il y a un mec près de la tour de guet, pas de soucis. Un peu plus de vodka. On va essayer d'aller voir un petit peu par là, vu que visiblement on a pu passer comme des... Tranquillement par là, là, sans qu'il nous voit. Il y a de la vodka, il y a un mec ici qui est en train de clamer, c'est peut-être là qu'est le défi du coup. Tout seul ? Il semble être tout seul. Ano, pane. Vu la dèche de munitions que c'est, 17 balles d'avance. Il faut que là, pour le coup, il faut qu'on loot là. Au moins, on a fait la partie timée du truc. Ah putain, il y a des cons qui arrivent là. Lui, il est explosé. Vite, vite, planque-toi. Est-ce qu'on aurait moyen de se les faire? Possible. Samozřejmě, nebude to čekat, pane. On ira attraper les plus vite. Ok. Poslouchám, pane, opatrně. Y aller. Vaše rozkazy. Demi-tour. Presouvám se. Ano. Toi tu ramasses ça au passage. Toi tu continues d'avancer. Ano. Ok. Ano, pane. Le mec qui était là. Dle rozkazu. On le voit plus. C'était peut-être un des gars de la patrouille. Samozřejmě. Ok, on commence à être bien en termes de munitions, ça c'est cool. Enfin bien. On a au moins quelques chargeurs d'avance, ça va bien. Allez, capturez-moi ça. On y voit quelque chose. Ok. On se replante. Donc ici, il y a un mec qui surveille... L'arrivée logique. Ouais, même pas en fait. Là. Ok, une cloche. Bien. Alors lui, il fait quoi? Il va par là-bas. Ici, il y a un tas de mecs avec quelques munitions d'armes de poing. Très bien. Là, on pourrait peut-être réussir à grenader ces trois-là quand il repassera. Je sens que c'est risqué ça. Je sens que lui va se tourner au dernier moment. Allez, voilà. Là on est dans l'angle mort. On va se mettre là. Putain, je pensais qu'il allait repartir par ici, mais... Ok, lui c'est fait. L'autre là-bas, il est en train de revenir, mais je pense qu'on peut réussir... À avant que ça parte en sucette. Vas-y, recule. La portée de grenade, pas tout à fait. On va venir se mettre ici. Ah non.
to je to pěkný zmrok. Ano. Parfait. Non, restez caché, on va pour le moment pas déclencher le truc. On va se poser là, toi tu vas démonter ça. Toi, va nous chercher les munitions de mitrailleuse, pour le moment on en a pas besoin, mais ça va peut-être venir. Ok. C'est parti, on libère ça. Nepřítel. Mick arrive par là et là. Non, ok, eux ils sont tranquilles, donc là c'est lui qui va nous emmerder. Donc, on le surveille. Et ils sont deux. Vaše rozkazy, pane. Au niveau couverture, ils ont de la couverture légère. On va essayer de capturer. Allez. Cours là. Ah putain, ils défendent le... Ils attaquent le truc, c'est con. Ok, toi... Za Republiku! Ano? Alors... Protéger le wagon d'artillerie. Ok, il y a assaut par là-bas. Ano? Toi... Vpred! Vas-y, toi, celui-là, les autres, ils viennent... Hledám kryt. Vaše rozkazy. Alors du coup, ils disent assaut semblerait-il par là. On a un petit peu de munitions, mais c'est pas non plus dingue. Par contre là, il y a une couverture lourde assez sympathique. Poslouchám. Alors, si on est un peu en dans le mal, on va le mettre là. Rozkazy. Toi, tu peux peut-être budeš soigner v pořádku. Ici. Ano? Toi, tu vas aller Nepřítel. Là. Et ça arrive. Smatrite, legionieri. Ano? Vas-y. Défends. Munici, hned! On a plus de balles pour le... Ano! Pour le coco là. Bon, il va falloir y aller à la main. Poslouchám, pane! Hurá! Počúvam! Son fusil. Skryjem sa. On se replie, les gars. Pas des petites munitions de, d'armes de poing qu'on aurait vu traîner quelque part qu'on aurait raté. Ici, ok. Voilà, on va faire 100. Vidím nepřítele. Ah, la défense là, c'est YOLO, hein. Putain. Ah, il a réussi à atteindre la couverture, quoi, sérieusement. Bon. Économiser un peu de munitions. Pripravený! Do posledného dychu! Zaujímám pozíciu. Tu reviens là. C'est lequel qui est devant? Ça, c'est le mieux au Pokémon. Oui. Reste un peu derrière, mec. Laisse les gens qui savent potentiellement tirer devant. Rozkazy. Des chiens. Pas cool, ça. Beaucoup de chiens. Aïe aïe aïe. Somme tout. Bon, toi tu vas charger là-bas. Ah non. Toi tu vas t'occuper de ce bizarre là. Souda. Počúvam. Ok, à couvert. Poslouchám, pane. À couvert. Připravenější už nebudu. Tirer, le temps de recharger les compétences là. Připravenější už nebudu. Připravený. Allez. Do posledného dychu. A rudí byli teď tak říkajíc pěkně v řiči. Pardon za ta silná slova. Slyšel jsem horňáka, jak z útrop lokomotivy rudých, která se pomalu sunula kupředu, křičí
Hnízetý komouská kraxno! A Liptákovou, jak svým hřmotným hlasem velí, cíl na 2 hodinách! Zamířit, připravit a pál! A pak bum! Taková řacha! Nádhera. Chudáčkům Rudým se podařilo přepadnout vlak, zajmout posádku a ukrást dělostřelecký vagón jenom proto, aby následně všichni vylítli do luftu. A to během 1 dne. Připravený. Bon, il va falloir qu'on aille chercher ça. Už idem. Podľa rozkazu. C'est marrant, c'est le premier train de retour, donc ça veut dire que les légionnaires qu'on a là, c'était vraiment les premiers légionnaires du coup. Scriem ça. Rozumiem. Les premiers à rentrer. Poslouchám, pane. Hezky, vaše rozkazy. Taková čorta! Ano. Ok, toi au moins tu vas pouvoir tirer un peu. Připravenější, rozumím. Par contre, je sais pas trop bien ce qu'on va foutre. Měním pozici. De toute la vodka qu'on ramasse. Už tu. Ano, pane. Au moment, en tout cas, on a à peu près tout fouillé. Ano, pane. Là, on arrive sur l'arrière du château. C'est lent. Alors, il y a du monde. Et il nous regarde. Okay, très bien. Rozkazu. Doucement, doucement, doucement. On n'a pas vraiment de moyen d'arriver par là. On aurait moyen d'arriver par les voies ferrées, éventuellement. Rozumim. On va plutôt essayer de voir si on peut faire le tour. Où est-ce qu'ils auraient pu être les mecs avec de la vodka ? Pause, parce que ça m'y pose au moment où je m'y pose. Ça aurait pu être par là-bas. On va aller voir là-bas. Peut-être moins d'avoir un coup de main et de pas attaquer ce truc. Par contre, on a le tir de la frappe d'artillerie. Ça, c'est très bon, ça. Allez, jeter un oeil à cet autre wagon là. Zaujímam pozici. On a combien de trousses de secours? 3. Et plus qu'une seule grenade. Aïe. Ça pique. Ça pique, ça pique. Il y avait un mec ici, hein. Měním pozici. Jdu do krytu. Vidím nepřítele. Je le contourne. Hledám kryt. Jdu do krytu. Jsem tu. Hlavně potichu. Pas choper, toi. Des traces de pas dans la neige, c'est rigolo. Skryjem sa, pripravený. Là-bas, il y a peut-être un truc. Už idem. Là, même tour, ouais, quoi que, on peut... On peut essayer de se les faire sans tirer une balle, ils sont que 2. Oh putain, il sort d'où, lui? Skryjem sa. Oups. Hledám kryt. Voir. Ça va partir en fusillade. En avant. Povídejte! Ano? Za republiku! Připravený! Bratři! Do posledného oddychu! Vaše rozkazy, pane! Stoj na městě! Jsem tu! Ano. Saloprix, quoi. Připraven! Je
Připravenější už nebudu. Poslouchám. L'armée qui nous flanque là, et en plus on peut rien y faire. Allez. Heureusement, ils visent comme un cul. Arrêtez de tirer. Arrêtez de tirer. Ah, mais sérieusement, il a rebougé quoi. Mais arrête. Oh la vache. J'y crois pas. Ah, les enfoirés, quoi. C'est ouf. Vas-y, cours jusque là-bas, toi. Ah bah tiens. Voilà, au moins on provoque le fight. On provoque le fight là aussi. Ah là, les saloperies, quoi. Alors, ce petit pont, où est-ce qu'il mène ? Il mène là où on vit, là d'où on vient. Idem. On peut partir par là, du coup. Podle rozkazu. Zaujímam pozíciu. Consomme de la munition, continue la mission. Hein. Là-bas, il y a un truc. Il y a l'air d'avoir des gens blessés. Jeter un œil. Ok, il y a du monde. Deux mecs qui regardent par là. C'est bizarre ces munitions de mitrailleuse. Hein. Ça me perturbe. On peut se les faire. Pripravený. Zaujímam pozíciu. Hľadám kryt. Ah, sauf qu'il y a lui là. Ah non. Il va être gênant. Hľadám kryt. Tranquillez-vous. Ano, pane. Flanque, j'ai dit. Jsem připravena. Ok, on va se faire ces deux-là et après on s'occupera du rigolo là. Une mitrailleuse. Alors après ça sert probablement si on prend d'autres escouades, parce que les autres escouades, il y en a certainement des escouades non narratives avec des mitrailleuses et là bah faut les gérer quoi. Vous voulez pas vous casser? On peut peut-être... Non, il est en train de partir. J'étais prêt à les grenader mais... Allez, toi, tu te fais celui-là, toi tu te fais celui-là. Počúvam. Hľadám kryt. Vas-y, poursuivre le guignol, là. Hlavne potichu. Grouille, 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 grouille. Presúvam sa. Áno, pane. On a des munitions, mais... C'est pas là qu'on veut aller. Poslouchám. Rozumím. Du coup, est-ce que ça pourrait être? Il reste là-bas. Dle rozkazu. Jdu do krytu. Hledám kryt. Ah, rozumím. Parfait, du civil. Už jdu. To byla příležitost. Samozřejmě. Parler aux habitants, bah oui. Oui, je parle aux habitants. Ah non, c'est plus loin, pardon, excusez-moi. Podľa rozkazu. Ils sont là, les mecs qui veulent parler. Tak sa vesničan s červenou bambulí místo nosu se nás zeptal, jestli jsme českoslovenští legionáři na cestě do Vladivostoku. Mierde. Ano, pane. Odpověděl jsem mu se vší úctivostí, jak já mám tak ve zvyku. Ale zajímalo by mě, odkud to věděl. Ten kořela s červeným nosem si odplivl do boku a začal nám nadávat. Podle všeho viděl, jakým Kucián stýplně... Bordel. Elle est con. On ramasse la vodka et les mecs qui s'énervent, quoi. Vidím nepřítele. Rozkazy? Ouais, tu te caches. Tu te caches, putain. Rouge d'eau.
Arrête de faire le débile. Bon, on est revenu là. On va garder notre dernière grenade si on peut, parce que je pense qu'elle risque de nous servir pour le château. La cloche qui brille. Bien. Allez, on se débarrasse de Guignolo. Cette fois, on ramasse pas la vodka des mecs devant eux. Je me suis dit, tiens, je vais gagner du temps, je vais la ramasser pendant qu'il papote. Grave erreur. Il me voit pas, le nom. Ah merde, non, za Republiku! Chope-le. Voilà. Alors, quelques munitions d'armes de poing. Posłucham, pane. Rozumím. Tout là-bas, du coup, direct. Tant qu'à fuir. To byla příležitost. Už jdu. Vesničan s červenou bambulí místo nosu se nás zeptal, jestli jsme českoslovenští legionáři na cestě do Vladivostoku. Ano, pane, odpověděl jsem mu se vší úctivostí, jak já mám tak ve zvyku. Ale zajímalo by mě, odkud to věděl. Zabručel něco o rudých sviních a nabídl nám pomoc výměnou za něco vodky. Postarám se o to. Jeden loh samohonky a vesničani byli připraveni se s rudými pobít. Nejostřejší ochmelkové, které jsem kdy potkal. Fuzilé. Zima blízko. Mec de Takaya. Ceux qui sont là-bas, là, ils reviennent avec nous aussi. Ok, t'as un pistolet. Мы дряхлые косточки. Et nous rejoignons. Зима близко. Ok, bon. On est reparti. On a un petit peu de renfort, c'est pas plus mal. On va pouvoir regarder un peu comment attaquer ce château. Ah, ils ont enlevé le wagon d'artillerie qui était devant. Mais par contre, ils avaient du char léger hein, comme équipement. Hein. C'était pas à poil comme d'autres. Bon, si on reprend. Là-bas, probablement une mitrailleuse. Ici, un mitrailleur. Ici, probablement un aide-mitrailleuse aussi, je pense. On va vérifier, mais... Ça me paraît pas logique. Non. Moudrá volba. Nepřítel. Oui. Pas de nez de mitrailleuse, mais un mitrailleur. Okay. Už tu. Ah, takaya maroka. Alors, observons un petit peu à quoi ça ressemble. Nepřítel. Lui surveille tout là et lui surveille tout là. Ok, donc de toute façon, c'est la merde. Mais on est un petit peu plus nombreux. Il nous reste toujours une grenade. Non, il nous reste deux grenades, excellent. On pourrait balancer du fumigène et charger, puis aller se foutre. Même envoyer nos fusillés. Ils ont le... Non, ils ont pas la baïonnette. C'est du fusillé, mais du fusillé... Okay. On pourrait éventuellement arriver par là plutôt. Comme ça, eux deux on les charge, enfin surtout lui. Poslouchám, pane. Za Republiku! Poslouchám. Lors de ça là. Hurra! Vaše rozkazy, pane? Fou putain. Ano, pane. De con. Připravenější ok, už nebudu. En arrière. Arrêtez de faire n'importe quoi. Crit. Repliez-vous. Stoj na mieste.
Vous m'avoinez, c'est débile. Il va nous grenader, il a le temps de nous grenader. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je ne sais pas. Ah, mais non, débile, espèce de con. Okay, bah, on sait la grenade, il faut qu'on recule. Ok, l'assaut brut et brut n'est pas une bonne idée. On se souviendra. C'est un brutal de type brutal, ça ne marche pas. Enfin, ça pourrait marcher, mais il faut que pas oublier qu'on a des mecs bourrés level 1 et des myopes, quoi. Autant dire que c'est pas gagné. Il était où le château? Par là. Du coup, ce qu'on peut peut-être faire, c'est tenter un passage par là pour voir. Non, on va enlever la pause par contre. On va tenter un passage par là. On est d'accord que de toute façon, ici on peut pas. Ouais, non. Ici on peut pas, on peut pas longer le train et les deux pécores là, mais on s'en fout totalement d'eux. Je sens bien qu'ici il va y avoir un truc défensif. Là. Et qu'arriver par là, ça sent l'idée de merde. On va vérifier, hein, mais quelque chose me dit que ça sent l'idée de merde. Ok, toi tu vas nous servir d'éclaireur. Avance un petit peu. Là il y a une mitrailleuse. Et le grenadier, mettons qu'on se dise. Se met au plus proche. On est encore mieux à passer par derrière, je pense. Demi-tour, les gars. Après, c'est vrai qu'ils ont une. C'est un château, hein. On attaque un foutu château, quoi. Excusez-nous. Hein. Ok, ils passent par là, pourquoi pas. Ça reste assez loin. Il attaque un foutu château avec des fusils moitié vides, pas d'explosifs. Je pense qu'il y a un truc qui a dû leur échapper dans le concept là. Ici c'est le seul vrai endroit défensif qu'on a. Il y a elle là éventuellement. Mais le problème c'est que nos mecs sont des gros tanchons. Utiliser des termes. Technique. Hop là. Allez. On revient là. Je veux que vous me les avoigniez. Il nous a lancé une grenade l'autre con. Ok, au moins on l'a éliminé, mais on a pas beaucoup de positions de repli, cassez-vous avant que la mitrailleuse commence à nous tirer dessus. Il y en a un qui est dans le mal, il y en a un qui est mort. Est-ce qu'on a une position défensive potable là-bas? C'est ma blusco. Ouais, tu vas te mettre ici. Ok, on les voit là. Sérieux, ils sont même pas à portée là. Vache rozkazy. Ah, ils n'ont pas vu. Vache rozkazy, pane. Moudra volba. Ok, toi tu vas plutôt revenir par ici. Bon, là, ils vont être ingérables. Il nous faut toi. Hurra!
Смотрите! Легионеры! Připravenější už nebudu. Ano, pane, provedu. Ok, on a réussi à gérer ça. Poslouchám, pane. Clairement, on n'est pas à notre avantage là. Pourquoi tu veux pas sauvegarder, je... Ah, je peux pas sauvegarder. Ah, parce qu'on doit être considéré comme en combat. Ok, on progresse. Alors, il reste toujours lui, du coup, il a pas bougé, donc ça veut dire que peut-être qu'ici on a un angle mort. Peut-être celui-là qu'on a éliminé. Il y a lui. On va se mettre planqué. On se fout ici, on observe un peu. Voir si on peut éliminer lui. Non, il est surveillé. Alors, il est surveillé, mais peut-être pas forcément. Oh là là, qu'est-ce qu'ils foutent? On leur demande de se planquer, ils font n'importe quoi. Ok, il a l'air d'être statique, lui. Lui, il a l'air d'être blessé. Il n'est pas surveillé par lui, donc avec un peu de bol. Éventuellement envisager de progresser par là, on pourrait tirer sur ça pour s'en débarrasser. Grenader c'est con. Si je me mets là. Ah merde, il y a lui qui me voit. C'est pas bon ça. Pas caché là. On va essayer donc de te replier par là. On n'est pas vraiment caché non plus. On n'a pas vraiment de buisson où se cacher. Tant pis, on va gérer s'il y a besoin. Okay, ça va être plutôt calme au final. Zaujmij ma pozici. Vidí mě, priatelia. Bon, quoi. Vaše rozkazy, pane? Připravený. Toi voilà, on va essayer de se placer pour un fight parce que je vois pas comment on peut gérer ça autrement qu'avec un fight en fait. Possible quoi. Ano, měním pozici. Non, c'est bon. On va essayer de faire exploser ça, et après on voit ce qui se passe. Ano. Donc toi tu sors, ah non, tu tires là-dessus, toi tu sors, tu tires là-dessus. Ah oh, putain, ça l'a même pas détruit quoi. Poslouchám, pane. Moudrá volba. Et du coup, bah, va falloir qu'on recule. Donc là au moins on a éliminé ces deux-là, ça a marché. Mais zaujímam pozici. Vidí mě, priatelia. Som tu. Ok, tout le monde, vous sortez de votre cachette, vous chargez ici. On se replie sur notre petite position défensive. Loin de la mitrailleuse, c'est surtout ça qui compte. On s'en est fait deux, on a mis mi-life. Le reste, on les accueille. S'ils veulent descendre en tout cas. On dirait que non. Ok, on dirait que non. Créem ça. Nikavo niet. Utočím. Et à on pourrait se mettre en fufu et se les faire à la main. Alors lui il va jusque là, lui va jusque là, lui va jusque là. Ouais. Pour de la rozkazu. On court. Ah non. Toi, va te checker de lui. Připravený. Presouvam sa. Ils sont arrivés. Vaše rozkazy. Qu'est-ce qu'ils ont vu? On ne sait pas. Ah putain, c'est la mitrailleuse qui nous a vu. Ah, il y a un manqué de tir.
Ok, on a pris une balle, mais c'est pas grave, honnêtement. Moins grave que si la mitrailleuse nous avait allumé, en tout cas. Ok, c'est géré. Hledám kryt. Jdu do krytu. Bon, exception faite de la mitrailleuse, ils doivent commencer à être moins nombreux quand même. Jdu do krytu. Là. Lui à gérer, un petit coup de couteau. Il y a l'autre enfoiré qui nous regarde là. On ouvre le feu sur lui. On ouvre le feu sur lui. Comme ça, on a une couverture complète. Lui vient. On peut prendre toi et l'avoiner. Послухам, пане. Так, он сходит к меня. Надо работать. Такая морока. Alors, à quoi ça ressemble? Ici, il y a un mec, là un autre. Il voit jusqu'où? Il voit jusque là. Ok, donc on va monter sur le terre-plein. Ano? Что? Když jsme se nadáli, už jsme byli zase zpátky na cestě a vyměňovali si historky s osvobozenými. U toho jsem bola, brat můj. Vo chvíli, keď jsme připojili náš dělostrelecký vagón zpět a vyrazili, jsem už jednoducho věděla, že se domov dostaneme v bezpečí. Já také, sestro. Já také. A teď máme naše drahé Československo, náš domov, konečně na dosah ruky. Pojďte, zaspíváme si. Už tu. Excellent. Bien joué, les gars. Bon, ils nous ont aidés quand même, les pécores. Hein. Sinon, on aurait pu galérer un petit peu plus. Bien joué. Bah, je crois que c'était la dernière. Hein. La dernière mission. Alors, quels seraient les objectifs? Ne laissez pas l'ennemi sauver l'alerte, ok. On ne sait aucun soldat est à terre, la santé des ennemis est doublée, les abris sont désactivés, termine la mission en 20 minutes. 47 minutes là. Alors, mitrailleuse discrète. Ah, des mitrailleurs avec le camouflage et les pas de loup, tiens. 4 Madsen. Ok. Les Walkyrie Partisans. 5-5 snipers, tir critique, tir critique. Oh, ils ont toutes tir critique. Elle a même du soin. Le camouflage, la vitesse de déplacement. Et du coup, le déplacement en mode silencieux de Brutas. Et les canidés. Une soigneuse et 3 chiens. Ah, rigolo. Qui ont la baïonnette, l'agilité, l'augmentation de la défense. Excellent. Avec juste 10 balles. Ah oui, du coup là on commence avec. Ah oui, bon là on commence avec 1000 munitions, donc là on se fait pas chier. Et là, 20 balles. Ok. 20 tirs critiques. En gros, ils ont chacun 5 balles dans le chargeur et après c'est fini. Ok, bah écoutez, voilà qui clôt du coup la petite extension de Last Train Home Legend Tales. On a fait toutes les missions, j'espère qu'elles vous ont plu. Merci à tous ceux qui ont suivi l'aventure jusqu'ici, ça faisait bien plaisir, je suis bien content que ça vous ait autant accroché, le jeu était vraiment très très sympa. Et bah du coup, c'est terminé pour Last Train Home, mais il y a plein d'autres séries sur la chaîne, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et on se dit à très vite pour la suite, ciao ciao tout le monde.